Bonjour et bonsoir à tout le monde. Salut Laure. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va, ça va. Dis-moi, tu peux pas me bannir le bot là qui s'est affiché Justement, j'étais en train de regarder sur comment on fait ça. Ah, tu as peut-être pas dû activer le mode modération. Je suis en mode manager, mais je sais pas comment. En fait, c'est tu affiches les icônes de modération, c'est bon, t'inquiète, je l'ai. Hop! Hop, et bannir. Hop là, voilà. Donc, alors, bah on va continuer, hein? On va continuer à rétablir les héros avec ce nouveau système d'équilibrage. On va voir de nouvelles petites choses. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien. Notre bien, très bien. Du coup, salut Gadgat, comment tu vas? Coucou. Impeccable. Est-ce que tu peux nous faire un retour? Normalement, le son devrait être meilleur que les autres fois. Donc, voilà. Tiens, je vais baisser un peu la musique si ça se trouve. Donc, bon. Le son est ok. Ok, merci. Très bien. Bon, bah, du coup, déjà, on va déjà regarder un truc. Ouais, Ulor est un peu faiblard. Je peux pas l'augmenter plus, malheureusement. Il est Oh, déjà. j'ai mis le truc qui peps. Parce que je t'étais déjà à 200% sur Discord, je t'ai mis à fond même sur le Streamlabs là. Peut monter un peu, mais je sais pas si ça a vraiment de l'effet. Malheureusement, je ne pourrais faire plus. Mais d'ailleurs, tiens, en parlant du lore, on va voir déjà ce que tu es en train de faire. Et hop, commence déjà par ça. Hop là. Ah, moi j'attendais que le stream commence. Non mais on va déjà explique-nous ce qu'on voit déjà sur ton écran. C'est du code. C'est le code qu'on avait fait la dernière fois. D'accord. Toujours la même chose, en fait, on est toujours au même endroit. Du coup, là, je pense que ce que je vais faire, c'est essayer de rendre un peu plus dynamique l'interface. Là, c'est codé. C'est hard-codé, en fait, donc c'est pas fou. Dès qu'on va vouloir changer un truc, il faudra aller changer dans le code, ça va pas être fou. Mais c'est un putain de chantier, parce qu'il n'y a rien de prêt. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est déjà bien. Nous, on va continuer. Alors, Gadga, toi, tu veux peut-être voir plus le code? De toute façon, c'est le chat qui parle qui a la priorité. On met le code en avant pendant que moi, je fais le reste des héros. Parce que je vais pas me rester là juste à regarder le code. Oh oui, le code. Bon. Gadga, t'as Sachant que j'ai parlé. pas de compléteur en plus, ça va être la folie. Moi, pendant ce temps-là. Je vais commencer. En vrai, je pourrais sauter. Tiens, tu sais quoi? On va commencer par un match du chaos, en vrai. Par une petite magette du chaos. Hop. Tactique. Alors. Toc, tac, 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 tac. Comment ça se passe aujourd'hui? Hein, Gat-Gat? En tout cas, il fait chaud. Ultra chaud malgré l'orage. Alors, Yalta et Elendil. Déjà, on va lui remettre ses PV, ses dégâts correctement, sinon c'est un peu con. Ça fait 6. Onze points d'attaque. C'est bon le show, ouais, bon, on voit qu'on n'est pas tous gaulés de la même manière parce que moi je déteste ça. Après, ça dépend de quelle chaleur, quoi, parce que là, c'est un peu étouffant, quoi. Ouais, c'est poisseux en vrai. Alors, 15, et vu que c'était paf, paf, paf. Ça fait 18. Gnat, il va se faire ban comme ça, il va pas comprendre. Tu sais que c'est quand même affiché sur le stream hein, ce que tu baves, Gadgad, fais attention. Ouais, mais il est sur Internet, personne pour le retrouver, il fait le malin. Ah ouais, ah là 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 là. Alors, distorsion de la cible. Voit son tour de jeu retardé d'un. Constriction de savoir. La cible ne peut utiliser sa capacité pendant tout combat. C'est pas mal.
Hop. Porte chaotique, téléporte un héros de la guilde pour rejoindre le groupe dans le donjon ce tour-ci. Alors ça c'est une vraie support qui a peu de points de vie mais qui est très stylée dans un sens. Parce qu'en fait en gros là la mage du chaos que je suis en train de faire, du coup que je suis en train de rééquilibrer ses points de vie, ses points d'attaque, est assez faible car elle a une attaque de 11, des PV de 18. Et elle a que des spells vraiment de support, mais c'est des supports en mode monstrueux en vrai. En gros, elle peut retarder le tour de jeu de quelqu'un. Elle peut enlever une capacité d'une cible. La capacité qu'elle veut pendant le combat. Et sa capacité de guilde, c'est en gros, elle téléporte un héros de la guilde pour rejoindre directement le groupe dans le donjon. Donc voilà. Hein, quand même sur quelqu'un qui est un peu vénère. Ça on garde. En gros, elle a vu ses points d'attaque et ses points de PV augmenter. Là, on n'est pas encore dans ce qui est hardcore en termes de changement. Pour l'instant, on a fait. Alors là, je pense que ça a peut-être changé parce que là, on va faire un mage. Et on va même faire un mage plutôt de type dégâts. Lui, par contre, il va falloir qu'on change ses trucs. On va faire un wakaka, zizi, tac tac, un mâche-feu. Hop, Ekmet. Dites la flamme. Hop là, donc, du coup, déjà on va faire ses PV et ses points d'attaque, normalement. Ça fait 6 plus 11, du coup. C'est PV. Alors, il y a un petit bruit, on t'entend taper ou quoi, Hula? C'est terrible ça. Ouais. Mon micro est trop fort, ça entend. Ouais, je pense. J'ai l'impression qu'on entend un peu tout le temps, c'est un peu chiant. Ouais, bon, c'est après. Ça fait une musique d'ambiance. J'ai déjà Spotify pour ça. Ouais, mais là, tu vois, c'est libre de droit le tapage de clavier. T'imagines qu'il y a une industrie Une comme musique ça, là-dessus, ouais, franchement. qui commence comme ça. Je pense que ça existe. Hein. Ouais, bah, clairement. Après, ils peuvent pas prouver que c'est la leur, quoi. Vos dégâts plus pardon pour la vapote, j'ai oublié de remonter le micro, désolé. Bravo. Je suis un grand caca. Alors, donc lui par contre, ouais, il faut lui augmenter ses points de dégâts. Sinon c'est le caca prout in the night. Hop. 5 points de dégâts à une cible. Fin ardente. Toutes les cibles subissent une brûlure. Alors lui aussi, il est monstrueux, mais il est déjà équilibré. En gros, il fallait juste que je réécrive le fait que quand il inflige. Quand il fait un crash flamme, par exemple, avant c'était juste des points déjà prédéfinis par le sort. Maintenant c'est vos dégâts plus 5 points de dégâts à une cible. Voilà. Puis en plus de ça, il inflige des brûlures, là, sur sa deuxième. Et ses capacités de guilde, ça par contre, il est st stylé. En gros, il a conseil des mages. Tous les mages gagnent un bonus de plus 1 à leurs dégâts et leurs capacités. Enfin, à leurs capacités plutôt. Plus 1 de dégâts à chaque fois qu'il utilise une capacité. Donc ce qui fait que t'en as je sais pas combien. Imaginons, tu vois, le mec qui fait la strat de boost les mages. Ou en gros, il essaie d'avoir tous les mages qui ont cette capacité-là, le conseil des mages. Et là, du coup, tu te retrouves avec un mage qui est littéralement l'apocalypse incarné. Ça peut être très drôle. Hop. Hop là! Et maintenant, la mascotte, le chouchou, que dis-je, le plus beau de tous les mages. Parce que c'est la suite.
Le fameux, l'incroyable Lazio. Le match d'eau. Le surfeur. C'est à lui maintenant qu'on va devoir équilibrer. Allez, Lazio l'Azur. On y va. Celui d'ailleurs qui nous a mis dans l'embarras et qui a fait qu'on a dû refaire le système d'équilibrage. Le MVP. Non mais en vrai, je comprends pas. Alors, il y a un personnage qu'on va voir après à la fin du strip, parce que là je l'associe un peu la chance à certains qui ont participé à sa création. C'était le personnage du chat. C'était pas lui en fait, c'était une druidesse. On va la faire, ça va être très drôle. Et elle a un nom à coucher dehors, parce que c'est un amalgame de trucs. C'est pour ça qu'il faut jamais donner du pouvoir à Internet. Sinon, ça va dans tous les sens. Mais déjà, on va faire Lazio, parce que Lazio, moi, je l'aime bien. Il y a un délire avec lui qui est monstrueusement cool. Allez, hop. Merde. J'ai tout cassé. Alors, 6 points d'attaque, 11, 18, incroyable. Et moi, tu vois, ça me fait marrer quand même de faire des comme ça des persos qui ambiancent un peu le chat. Enfin, qui ambiancent ceux qui nous regardent, quoi. D'ailleurs, on aimerait beaucoup atteindre ces fameux 50 abonnés. Enfin, abonnés, qui followers, plutôt, parce qu'il n'y a pas encore de... L'histoire de thune qui se met en point. La thune, on veut la moula. En voilà, mon lagar! Pas du tout, je veux juste 50 followers pour pouvoir re-uploader Ouais, les replays. directement, c'est ça en plus. Je demande juste ça, juste 50 pour pouvoir avoir un truc clean, quoi. C'est ça, non mais clairement, c'est un peu caca. Ah ouais, mais attends, mais en plus de ça, il est overpété. Je suis en train de lire ses sorts de base. En gros, il a la grande vague qui inflige 8 points de dégâts plus les points d'attaque à tous les ennemis. Donc là, avec ses nouvelles stats, en gros, il inflige 19 à tout le monde. Et après, t'as le snapback. C'est vous infligez 10 points de dégâts plus vos points d'attaque à une cible. Donc en gros, 21. À l'aide. Combien? Bah, en gros, son premier spell, il inflige aux 4 ennemis en face de lui. Imaginons, genre, il y en a 4. Voilà. En gros, il inflige 19 points de dégâts à tout le monde. Ah, Les je te 4 dis qu'il est mecs. pété, lui. Ah, il est overpété. Hein. Il va falloir qu'on se calme là. On va devoir le nerfer là. Et le deuxième truc, c'est en gros, il inflige 10 points en plus de ses dégâts. Donc ça veut dire qu'il inflige 21 points à quelqu'un. Le mec rigole zéro. C'est le personnage le plus pété pour l'instant du roster. Donc on va le calmer très vite. Parce qu'avant, en fait, il avait des attaques tout caca. Il n'avait pas 11 en attaque de base. Donc. Bon, déjà 8 points, on va peut-être se calmer. Alors, en vrai, sa première attaque, on peut la nerfer correctement en faisant en sorte qu'il n'inflige pas en plus de ses points d'attaque. Par exemple. Ou. Plus simplement, ouais mais non, après ça va être chiant. En gros, j'avais pensé peut-être à faire un truc de... Ah, les stats de base sortent d'où? Ok, donc c'était hier soir, GatGat, on a revu le système d'équilibrage, mais si tu veux, je peux te refaire une espèce de... On en reparle, quoi. Est-ce que tu veux ça? Genre, on en reparle vite fait, mais on peut reparler. C'est si tu me le demandes. Comme tu veux. Bah non, bah attends, je vais t'expliquer, comme ça, ce sera plus simple. Et vu que tu es le seul à interagir, lol MDR, du coup t'as le droit. Alors, on passe sur moi, désolé pour ceux qui voulaient du code. Voilà. Personne n'en veut du code. Personne veut du code. Ok, donc. Ça se met le code. Hop là. Donc comme ça, vous avez les deux trucs. Donc très bien. Donc déjà, en gros, on a eu un problème, si tu veux, GatGat. On a eu le problème. Dans un premier temps, on avait fait comme ça des persos un peu au pif et tout ça, hein, en leur donnant en gros des points après, ou en gros à partir de ces points-là, donc là en l'occurrence c'était 30 points, et en gros on qualifiait sur une échelle de valeur la puissance de leur spell,
Donc leurs deux sorts en donjon et leur sort de guilde. Et en gros, on enlevait du coup ces points par rapport à la puissance du spell en question. Et le reste des points, en gros, allait définir leur PV et leur point d'attaque. D'accord? Donc on avait fait le test avec Squamatus, là, le rôdeur, là, de la proto-maquette. D'accord? Donc de la proto-maquette, en gros, il était passé de 6 à 13 avec ce nouveau système. Il est passé du coup de 8 à 16. Sauf que après, on a eu le problème de. Ouais. Bof, quoi. On a eu un autre problème après pour les spells, notamment pour les mages. Et pour tout ce qui était en fait la différenciation des spells et des points d'attaque. En gros, il y avait la stat là comme ça, là, des points de dégâts de base, qui pour les mages leur servait pratiquement à que dalle, à R. Vraiment à R. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi un peu. Et on est reparti sur un système de JDR. En gros, on est reparti à la base de chez base. Donc, dans ce cas-là, en gros, on leur définit par un calcul. En fait, on a fait un truc à 3. Donc, on a fait la règle de 3 que pas mal de jeux de société et notamment certains jeux vidéo ont utilisé. Ça a été un petit peu par ça. Donc, en gros, on a défini qu'en gros, tous les personnages, quels qu'ils soient, ont une base. Donc, ça veut dire 1 et 10. Donc, c'est-à-dire 1 point de dégâts et 10 points de vie. Après, il y a la classe qui va rentrer en jeu. Bon, là, en fait, on avait pris un exemple. Donc, il ne faut pas prendre vraiment ça. En gros, tu as la classe. Donc là, par exemple, les guerriers, du coup, ils ont une base de ça. Donc là, le deuxième chiffre, là, dans l'addition, là, enfin, le deuxième nombre, en gros, c'est 3. Là, pour leur point de dégâts. Leur point de vie, ça va être 10. Voilà. Et après, il y a l'armure et l'arme. Pour leur donner, en fait, si tu veux, une espèce de légitimité, par exemple, si jamais tu as un tank qui va tanker plus en termes de points de vie, ou un DPS qui va faire beaucoup plus mal que ses homologues de la même classe. Car du coup, on a défini, voilà, qu'en gros, ils ont l'armure légère, intermédiaire, lourde, donc du coup, ils ont des points qui va se mettre là, pour l'armure. Et après, tu as les armes, par exemple, là, on avait mis des exemples, les arcs, les dagues, les armes simples, épée, hache, masse, tu vois. Après, tu as les armes lourdes, tu as tout ça. Et du coup, avec ça, en gros, on a une stat qui s'affiche. Pour chaque perso, donc là par exemple ça là, tu vois, qui s'affiche avec le calcul, d'accord? Le truc qui s'est passé, c'est que du coup on a fait ça pour tout le monde, pour toutes les classes, leur base déjà, donc c'est-à-dire le deuxième chiffre, le deuxième nombre, pardon, de l'addition à chaque fois pour les dégâts et les PV. Et d'ailleurs tiens, on va enlever le D, là on va mettre A, sinon ça on prend R. Donc voilà, en gros, c'est ça qu'on a fait. Donc du coup, c'est quoi cette règle un peu bidon qu'on a mis en place? C'est qu'en gros, déjà, il faut savoir une chose, c'est que il faut décider à peu près de ce qui va être le plus faible et de ce qui va être le plus fort. D'accord? En fait, ça, ce sont des marques. Ce sont des marques qu'on doit essayer de ne pas dépasser, que ce soit trop bas ou trop haut. Dans ce cas-là, c'est dans les points de vie. On a défini qu'il peut avoir des persos qui ont 17 de points de vie, ce serait le plus faible de tous les persos. Par contre, il faut que celui qui soit le plus fort en PV de base ait au moins 34. Donc c'est-à-dire le double, plus évidemment. Non, bah non, il n'y a pas de plus. En fait, c'est le double. Voilà, donc c'est ça en fait. La marge qu'on devrait essayer, c'est faire ça. Là, quand j'ai mis la 37, c'était dans l'exemple d'hier. Qui en gros expliquait qu'on pouvait aller un peu au-delà du 34, mais il faut éviter. Vraiment. Il faut vraiment éviter. Là, on parle de stats flat, hein, sans équipement, sans amélioration, sans rien. Hein. C'est juste ça sur la fiche du perso. Et c'est pareil pour les points d'attaque, à peu de choses près, sachant que le point d'attaque flat, comme ça, là, ne doit pas être supérieur au PV du plus faible de tous les héros. Pour éviter les one shot. Voilà. 8 étant un chiffre plutôt apprécié, parce que du coup, il faut pas trop non plus que les combats soient interminables. Donc du coup, on a mis à peu près 8 en plus faible. D'accord? Donc du coup, ça donne déjà une forme, si tu veux, de points marqués qu'on ne doit absolument pas. Enfin, dans l'idéal, qu'on ne doit pas. Aller trop au-delà pour essayer de garder en tête un équilibrage comme ça. Donc voilà. Après, il y a eu des cas à part où on peut aussi s'amuser, par exemple en leur enlevant un peu de points de vie de leur base,
pour ajouter par exemple un peu plus de dégâts ou quoi que ce soit, c'est histoire que ça soit pas tout le temps les mêmes stats qui s'affichent à chaque fois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que par exemple, on va reprendre vite fait Squamatus. Squamatus, du coup, il a fini à 8-16, ok? Alors, tac, on va le reprendre un peu, hop là. Donc, je te montre. Hop. Là, en redehors, chez Squamatus, du coup, il a fini. Avant, tu vois, en gros, il avait 8-16. Et maintenant, il a 12-24. D'accord? Et on a changé un truc, c'est par rapport à. En gros, on a changé deux de ses spells. Avant, il avait un spell qui lui permettait de se reposer et de gagner un peu, de regagner un point de vie tous les deux tours. Maintenant, il a Pistage, qui est génial, en vrai. Et après, on lui a mis aussi Croc empoisonné, du coup, pour remplacer ce qu'il avait avant comme capacité de donjon. Donc, du coup, on a fait un rôdeur qui a un peu plus dégâts, un peu plus chasseur, en fait. C'est un chasseur de base. Donc c'est pour ça du coup qu'il est comme ça. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait que vient cette histoire d'équilibrage. Donc là on a bossé sur un peu tout le monde. Là j'ai mis un petit astérisque parce que c'est le druide qu'on va devoir attaquer après, qui a été fait par le chat. Hein, donc voilà. Donc là du coup on a fini avec Kmet. Là du coup on voit qu'il y a commencé à avoir des stats qui se répètent un peu, notamment pour les mages. Donc c'est pour ça que du coup on va pouvoir jouer avec. Parce qu'on a vu que du coup Lazio était un peu trop pétaxe. Mais genre un petit peu copieux en fait. Donc. Est-ce que du coup c'est compréhensible ou je vais passer un peu trop vite sur certains points ou tu veux plus de précision? Profites-en. Hein. C'est clair, merci. Ok, très bien. Du coup, je te remets notre petit Tulor. Enfin, petit, c'est moi le plus petit des deux en taille, en vrai. Il me semble. C'est pas moi. Ouais, bah en même temps, tu sais, mec, à un moment donné, on s'y fait. Hein. C'est donc. Alors. Du coup, Lazio, on va déjà changer un peu cette rack. Pardon. Mettre à 10 en attaque. Hop, on va lui enlever cette partie-là, qui a pétaxe. Tac, tac, point, point. Du coup, le snapback. Mais moi, ce que j'adore en fait avec Lats, c'est que du coup, on a pris des. Deux noms de vraies techniques de surfer. Donc, du coup, il a des trucs un peu. Bah, pas très médiéval fantastique, quoi. Ouais, non. Le snapback et le take-off. Tu vois, c'est. À l'aide! J'ai envie de dire, il nous faut quelqu'un qui est dangereux en vrai. Donc, du coup, la deuxième. Parce qu'en gros, la première, la grande vague, en gros, j'ai mis vous infligez 8 points de dégâts. On va dire à. Attends. Toutes les cibles. Tac. Donc, du coup, parce que 8 points de dégâts encore, moi, ça me paraît jouable. Si tu veux. Tu vois? Ouais, c'est pas ça. Mais 8 points de dégâts flat, hein, on ne rajoute pas ses points d'attaque. Par contre, la deuxième, le snapback, qui inflige mono cible, en gros, il va infliger 20 points de dégâts dans la figure de quelqu'un. Par contre, sachant qu'il y a aussi les strats de. On a vu par exemple, il y a la mage du chaos qui enlève carrément pendant le combat une capacité cible d'un des héros adverses ou d'une créature. Donc. Voilà, si jamais tu vois que l'autre guide, ils ont un Lazio dans leur équipe, tu as essayé de prendre un héros un peu type counter, genre comme les mages du chaos, ou les gens de douleur ou quoi. D'ailleurs, moi j'ai une idée, j'ai un concept de personnage là pour un prêtre de douleur, mec, il va être casse-couille. Hein. En gros, il aura une capacité
Ce sera de. En gros, il va sélectionner une capacité cible d'une cible, tu vois. Et il va faire en sorte qu'à chaque fois que si jamais la personne ou le monstre, tu vois, utilise cette capacité-là, ça va lui infliger des dégâts. Mal, ça. Et c'est clair, hein, c'est stylé. Hein. Parce qu'en gros, si tu veux, j'ai relu les capacités du JDR. Et il y en a une qui est comme ça. Pour les prêtres de douleur. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est pas mal. On fait ça. Bah, du coup, là, tu on t'a nerfé. Désolé. Désolé, pas désolé, bisous. Parce qu'en même temps, à un moment donné, voilà, t'étais un peu pétaxe. Ah, d'ailleurs, un truc que j'ai pas trop expliqué vite fait sur le nouveau système d'équilibrage, j'ai passé dessus alors qu'en vrai il faut pas. Alors, donc, du coup, l'échelle des valeurs qu'on avait mis là pour les capacités, que ça soit 1, 2, 3, tu vois, genre en gros, pour avoir une échelle de valeur sur la puissance de la capacité en question. Si, en gros, maintenant les personnages en ont 6. Ils ont 6 points. Ces 6 points, en fait, si jamais ils les dépassent, bah du coup, c'est leur stat de base qui s'en mange un coup. Mais vraiment. Genre, par exemple, si jamais c'est un point, bah du coup, on va enlever un point en dégâts, un point en point de vie. Si jamais c'est deux points, on va enlever deux points en point de vie, deux points en dégâts, des trucs comme ça, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que bah il faut éviter de trop prendre, quoi. Sinon, bah voilà, t'es un peu dans le caca incroyable. Hein. Voilà, c'est génial. Hein. Donc. Bah du coup on va faire l'avocatrice. Voilà, la femme félin avocatrice. Catherine de Milésis. Donc, voyons voir pour elle. Bah, du coup ça reste très... Hop. Et hop. Donc, dans l'idée de base, elle a ça. Ok, très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle a comme capace? Ah bah déjà, elle a... Si jamais on suit le truc, elle aurait... Ok, donc, invocation de renard spirituel. Vous invoquez un renard qui prend la place de héros de donjon vacant. Et il inflige 3 points de dégâts, il a PV 10. Ouais, moi, ça me plaît pas, hein. Il devrait être plus pété que ça, le renard. On va lui mettre déjà un petit. On va lui mettre un 16, tiens. Hop. Et 8. Voilà. Ça, c'est parfait, là, comme ça. Invocation de faucon. Vous attaquez tous les ennemis en leur infligeant 2 points de dégâts. Ça, c'est caca. Donc, 2 points de dégâts, c'est que dalle. Sachant qu'il y en a à côté qui font limite. Déjà plus de 10. En vrai, j'ai presque envie d'enlever l'invocation de Faucon. Parce qu'elle est un peu caca. On va lui donner une autre capacité à celle-là. En vrai. En vrai. On va lui donner une autre capacité, je pense. Ce serait pas mal. Invocation de renard. Non, l'invocation de renard, par contre, on la garde. C'est mignon, un hein, renard. Faut pas déconner. Bah pas... Voilà. Hein. Ouh, je sais ce qu'elle pourrait faire, elle. Elle pourrait invoquer un item aléatoire. Tu sais que pendant le combat, du coup? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être intéressant. Ça dépend des items, encore une fois. Il n'y a pas de design d'item. Donc... Ouais. Après, merde, parce qu'en fait, dans le truc du perso, en fait, c'est plus une invocatrice animale, donc c'est chiant de qu'elle invoque des objets. En vrai, il faudrait qu'on reste dans le thème. Est-ce que tu auras d'autres invocateurs qui pourront faire des trucs comme ça, en vrai? En faire les supplies. D'ailleurs, je pense à
un design d'invocateur, mec. En gros, c'est spell. C'est pas en gros il invoque des items si tu veux, mais c'est un gros support parce qu'en gros il va invoquer. En gros, il faudrait que la personne, le héros en question, il ait pas d'item sur lui. Et du coup, il peut lui donner soit plus de dégâts, soit plus d'attaque, soit plus de PV en fait. Tu vois? Dans l'idée, mais c'est juste pendant le combat. Et la seule condition, c'est qu'il faut que le héros ciblé n'ait pas d'item sur lui. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais ça, ce serait pour un autre invocateur. Donc du coup, ça répond pas à notre Schmilblick, c'est con. En tout cas, sa capacité de guilde, c'est cheval de voyage invoqué. Si un héros part depuis la guilde pour rejoindre le groupe dans le donjon, alors il se déplace deux fois plus vite pour les rejoindre. Ça, c'était plutôt pas mal. Ça, on va le garder. Alors, attends, excuse-moi, j'ai reçu un SMS. Bah bravo. Bah, désolé, hein. Alors, oui, attends, excusez-moi, hein. Du coup, tu fais quoi là, Ulor? Parle-nous un peu. Là, je faisais un debug pour voir les positions à l'écran. D'accord. Oui, parce Comme que je ça, regarde je peux sur voir le un peu coin ce ce qui que se tu passe. fais. Du coup, il va falloir que j'augmente la vitesse, parce que c'est pas viable. Faire 3 tours d'écran pour le faire avancer de la moitié, c'est compliqué. Contrairement à ce que Gadget peut penser, non, il n'est pas lent. Enfin, il n'est pas rapide. Il est lent, au contraire. C'est beau ça déjà. Paf, 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 voilà. Tac. On coupe le téléphone quand on est en classe. Incroyable. Comme dans les Casse-burne! JDR. Comme dans les JDR. Ah oui, finesse. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, on a une règle. Enfin, j'ai une règle, du moins. Sais pas si tout le monde le fait. Les téléphones en JDR, c'est niet. Genre, on est en train de jouer, on fait pas ça. En vrai, mais 1. C'est-à-dire 1. Ah, c'est pour la vitesse de déplacement. 1, d'accord. Je comprenais pas, j'étais parti autre part, désolé. Je n'étais point avec vous. Je revois un peu les spells d'invocateur dans le JDR. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un terrain aussi. C'est pas fou, c'est pas mal. T'es content de tuer? C'est mieux que rien. Oh tiens, je viens juste de penser, mais en gros, il faudrait que je mette un bot là sur le stream pour avoir une commande, tu vois. Ouais. Genre que les gens, si jamais ils désirent de voir autre chose, ils ont juste à mettre ces points d'exclamation et avec le nom de la commande, et puis ça. Ça nous aide un peu. Mais bon, il faudrait vraiment que je creuse la question des bots, parce que bon, il y en a qui sont payants. Par contre, c'est les plus stylés en vrai, qui donnent plus de trucs. Oh putain, ouais, j'ai trop envie de faire un personnage comme dans le JDR, là, un invocateur pièce de J'ai jeu. cru que t'allais dire que t'avais envie de faire un vote. Non, 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 mais. Ah bah C'est non. sûr. Non, non, je parlais juste d'un invocateur pièce de jeu. Je sais pas si tu te souviens de leur spell. Ou des cartes. Oh Pas putain, vraiment, non. un invocateur de. Ah putain, ouais. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, putain. Alors, animal. Feral. C'est pas une S1. Du coup, je peux pas lui mettre les moustiques et tout, bordel. Hein.
Ah, je sais ce que je peux lui donner à la rigueur. On va utiliser le fait que c'est une femme félin. Donc, elle va avoir un spell. Ça va être... Alors, je vais pas l'appeler comme ça. Parce que sinon, après, on va penser à Pokémon, en vrai. Griffure. Bon, en vrai, soyons simples. Griffure. Donc, du coup... Hop, en gros elle inflige ses dégâts, c'est-à-dire 11, plus un saignement. Et vu que c'est pas cumulable si le saignement, bon à un moment donné elle va faire autre chose, mais en vrai c'est plus une avocatrice, voilà quoi. Hop là. Peut faire ça, en vrai, ça peut être sympa. Tac, voilà. Et cheval invoqué, parfait. Donc du coup ça fait 3. Alors non, ça par contre c'est assez vénère comme délire. 6, 7 et 8. Oula, 8. Donc du coup il faut lui enlever 2. 16. 11. Du coup elle va à 9. Ah ouais, putain, elle a une petite... Ouais, quand même, hein. Ouh, ça lui a fait mal, hein, ce petit équilibrage, en vrai. Hein. Enfin, non, quoique. Ah Elle ouais. a... Ouais, ça lui a fait un peu mal au terme de stats flat. De toute façon, elle est toujours plus puissante que sa version précédente. Hein. Mais elle est déjà un peu plus. Bonjour. Ces spells font un peu plus bonjour. Je suis là pour décalquer des têtes aussi. Hein. Après, bon, c'est vrai que pour le coup, si je devais choisir, je la prendrais pas pour un build-up dégâts. Mais vraiment en mode patchwork, genre, tu sais que tu t'as peut-être des héros que tu veux préparer à la guide, tu sais, pour faire des combos à la con. Et du coup, tu t'as juste à la mettre elle avec son invocation de renard. Sachant que l'invocation de renard, elle le fait, elle peut le répéter autant de fois qu'il y a de place vacante, quoi. Donc elle peut même partir toute seule en vrai. Puis bon, sa capacité de guide aussi, ça C'est le permet. but, ouais. Hein, pardon? C'est le but qu'elle puisse partir toute seule, quoi. Ouais, elle peut partir toute seule en vrai. Hein. Elle peut vraiment partir toute seule. Si jamais elle a un bon item en plus, elle peut y aller tranquille ou pépouze en vrai. Donc voilà. Donc Catherine de Mélésis, c'est fait. Bon bah, tant pis pour les absents. On va faire la druidesse. À moins que tu veuilles qu'on aille sur un autre per... qu'on fasse une autre concept de perso, parce que c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de revoir les mêmes persos à chaque fois. Comme tu le sens, c'est toi qui vois. Bon, écoute, si jamais il n'y en aurait qu'un parmi nous, je le ferais, mais en vrai, j'ai presque envie de faire un nouveau perso, hein, clairement. Donc, si on faisait ça, en fait, tiens, on va faire un nouveau perso. D'ailleurs, on avait fait un concept la dernière fois qu'on n'a pas utilisé. Donc, tac, tac, tac. Il va falloir que j'architecture un peu mieux quand même. On peut faire un système d'huile sans héritage, j'y crois pas. Et du coup, on va faire un nécromancien. Enfin, plutôt une nécromancienne. Alors, où est-ce que vous êtes, madame? Vous avez fait la dernière fois. Avez-vous disparu dans les méandres de l'internet? Voilà, ouais. Pouf. C'est une Voilà. question intéressante et un peu un défi intéressant aussi. Est-ce qu'on peut faire de lui sans héritage? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire de lui que à base de components?
Est-ce que ça marcherait? Si on fait des composants très simples de type position, texte. C'est chaud quand même. Paf, paf, paf. Pique et colle et gramme. Mais c'est vrai que je leur avais mis un autre truc. Nécromancien. Alors, bon, pour ma partie, moi je reprends le perso qu'on avait fait tous les deux en live, vers la fin. C'était la fin de live. C'était le dernier perso, c'est une nécromancienne Wakasi. Donc une femme piaf, tout bonnement. Et on voulait partir sur un délire un peu plus tribal. Enfin, en fait, on s'était basé sur le vaudou. Et je crois que c'était le baron samedi qu'on avait pris, non? Oui. Voilà, ouais. C'était quelle origine déjà? Putain, à chaque fois j'oublie. Le baron samedi, c'est ça vient d'où déjà? Exactement en Afrique. Attends, quoique, c'est peut-être pas en Afrique, si? Si, c'est en Afrique. Si, ça vient d'Afrique. Hein. Ouais, on est d'accord. Bon. Par contre, où exactement? Il me semble que c'est un pays qui n'existe plus ou un truc comme ça. Alors, Baron Samedi, James Bond. Pas du tout! Alors, voyons voir. T'as pas les bonnes références. C'est le Iwa. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu ça aussi. Quoi qui dit que ça vient beaucoup de la... Baron Lacroix. De la culture haïtienne, je crois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je demandais. Sa femme est maman Brigitte. Ah oui. Il est représenté vêtu d'un chapeau haute forme, de forme blanc, d'un costume de soirée, de lunettes de soleil. Ok. C'est vers la Guinée. Jeux vidéo, les jeux de société, non, on s'en fout. Putain, il faudrait du coup que je lise le bouquin là, l'histoire du vaudou. En 1993, bon, ça le fait encore. Donc, haïtien plutôt, Nouvelle-Guinée. C'est presque en Afrique là, ici. Ouais, mais il me semble que par contre, en fait, ça a quand même des racines africaines. Et que oui, c'est, en Guinée, visiblement. La traite des morts, en fait, qui a amené tout ça. Oui, oui, mais visiblement, ce sera en Guinée. En Guinée? Ouais, ouais. Oui, bah, visiblement, le Baron Samedi, dans son... Après, bon, c'est Wikipédia, hein, donc c'est la roulette russe du savoir, hein, en vrai. Hein. Moi, généralement, je fais jamais... Ouais. Confiance à Wikipédia. En fait, pour les trucs factuels, c'est-à-dire pour les dates de quand est-ce qu'il a vécu, quand est-ce qu'il est à peu près mort, le gars ou la meuf, ouais, ok, pas de problème. Là, tu peux lui faire confiance, généralement. Mais pour tout ce qui est détail, à la fesse, si, mam, c'est de la merde. Enfin, franchement, des fois, tu tombes sur des trucs. Ouais, alors justement... Quand tu vas sur la page vaudou haïtien Wikipédia, il te dit « Oui, alors c'est une religion africaine. » Donc je raconte pas que des conneries. Voilà, ça. Après, j'ai pas envie de l'appeler Toussaint. Basé sur le vaudou ouest-africain. Ouest-africain, ouais, voilà. Il y a pas plus de précision. En fait, il doit y avoir pas mal de bouquins qui traitent de ça. Mais... Ouais, alors les notes de référence, c'est le mystère du vaudou de Lennec Urbon à Paris, édition Gallimard. Ouais, t'avais aussi un bouquin sur le vaudou haïtien et ses origines normalement, mais alors il faudrait que je trouve le nom, je crois que je l'ai mis de côté. Mais... Tac, tac. Attends.
Alors, il faudrait que je me documente plus sur. Après, ce n'était pas mon domaine d'expertise en histoire et en civilisation. Donc, du coup, je dois avouer quand même que je suis pas mal ignare. On peut lui donner un nom vite fait, mais après, il faudrait que je lise quand même un petit peu, histoire de m'inspirer un peu, d'essayer de comprendre un peu plus le mythe, les codes, la représentation, pour lui donner un vrai nom sympa. Ah, c'est pas mal ce nom, ça. C'est pas mal pour un perso. Hein. Un bokor est un sorcier ou un magicien qui lance des sorts sur demande. Ils ne sont pas nécessairement des prêtres. Ils peuvent être des pratiquants de choses plus sombres. Ils ne sont souvent pas acceptés par les Mambo ou les Ugans. Je ne sais même pas si jamais je prononce bien la chose en plus, donc désolé, hein, s'il y en a qui le parlent couramment ou quoi, veuillez m'en excuser. D'accord, donc le Bokor peut également être un terme haïtien pour un prêtre vaudou ou un autre pratiquant qui travaille à la fois avec les arts lumineux et sombres de la magie. Des bakas, esprits malveillants sous la forme de divers animaux. D'accord. Un article de la mort d'un site haïtien publié. Ouais, mais là, il me parle vachement d'haïtien. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave en vrai. Non, c'est clair que c'est pas grave. En particulier des groupes Ewe et Fons, Mina, Kava et Nago, certains des formes les plus durables survivent dans les îles Goula. Putain, ouais, ça les îles Goula. Mais ceux qui ont été d'ailleurs en Caroline du Sud et en Géorgie, d'accord, ok. D'accord, donc c'est bien ce qui me semble. Ce qui d'ailleurs a inspiré Howard pour Conan, les peuples Anguli, qui étaient les Goulas. Ouais. Malheureusement, on n'a pas plus que ça. Enfin, ça reste. Après, il y a eu la transformation américanisée, tout le bordel, donc du coup, est-ce que ça te Pardon pour la vapote. Uncis. Se trouvent des Uncis, qui sont des initiés qui agissent comme assistants lors des cérémonies qui se consacrent à leur propre mystère personnel. Oh, en vrai, c'est super riche, hein. Il faudrait vraiment que j'aille à la bibliothèque pour ça. Ah voilà, les idées fausses, visiblement. Le vaudou a souvent été associé dans la culture populaire au satanisme, à la sorcellerie, aux zombies et aux poupées vaudou. Des grosses idées fausses, ça, quand même. Hein? Pardon? Quand même, des grosses idées fausses, ça. Moi, je pense que... C'est le premier truc que t'apprends quand Oui. tu t'intéresses vite fait au voodoo, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que les chrétiens ont envie de te faire croire, quoi. Mec, en même temps... Non, les chrétiens, on va être plus... Il y a pas mal aussi, mec, faut quand même l'avouer, dans la culture pop, la représentation même, si tu veux, de tout ce qui est un Ouais, mais peu parce que noir, la si c'est culture pop, vaudou. elle se base sur les dominations existantes, et du coup, la domination chrétienne Alors, en fait partie, tu vois. en vrai, alors je vais casser aussi une idée conçue, tiens. En fait, quand on parle de la domination chrétienne, en fait, de la réécriture de certains cultes, en fait, ce sont plus les protestants. Donc, quand je dis protestant, c'est pas la religion en elle-même protestante, parce que en fait, la chrétienté a énormément de branches, comme pas mal de religions d'ailleurs. Dans le Big Three, il y en a pas mal aussi des branches et des sous-branches, des sous-catégories, des machins. Bref, les mecs se sont crus comme si tu vois c'était des genres de métal. Donc, il y en a une chier. T'as le chrétien corps, t'as le black chrétien, t'as plein de trucs comme ça. Le dev chrétien aussi. Mais en gros. Ceux qui se sont implantés en fait aux États-Unis étaient déjà protestants, car la majorité en fait venait de pays qui avaient fait sécession pour plusieurs raisons avec le dogme catholique.
Et en gros, ils se sont plus mis dans cette histoire-là. Mais c'est vrai que au tout début, quand on parle par exemple de la diabolisation et de la réécriture des trucs, c'est plus vers le médiéval, au début médiéval, en Europe. La suite, en fait, ça a été plus dans la partie protestante et tout ça, que ça s'est produit. Mais bref, oui, ouais, je suis d'accord et pas d'accord à la fois avec ce que tu as dit, quoi. Bah, ça n'empêche que la chrétienté dans son ensemble, que ce soit n'importe quelle sous-branche, bah, ça reste quand même la religion dominante, en tout cas dans nos pays, quoi. C'est normal parce que Et ça c'est depuis des années, en fait. Enfin, ça a jamais été détrôné, quoi. ça a détrôné les autres, mais après c'est normal, Ouais, tu mais vois, elle c'est n'a jamais été détrônée. oui, non, c'est sûr. Du coup, forcément, en fait, la culture pop, elle se base en partie là-dessus. Parce que, par principe, une culture populaire, elle utilise les outils populaires qu'elle a, donc les outils de domination et compagnie. Après, des fois, c'est par association, hein, faut dire. C'est pas forcément basé sur la culture, culture, culture. Hein. Ça dépend, en fait. Ça, mais oui, fatalement, oui, t'as la culture de base qui influence pas mal la culture populaire. Mais il n'y a pas que. Parce qu'en gros, ça voudrait dire qu'en gros, tu pars du postulat que les mecs qui le font sont déjà des érudits sur la question, alors que non. Ah, moi, quand je te parle de culture populaire, je te parle juste de culture populaire, à savoir, bah, les gens, ils vivent dans une société avec une culture ancrée, en fait. Oui, Et du coup, mais ils utilisent cette culture sans forcément s'en rendre compte, même parfois, hein. oui, mais le truc, c'est que la culture ancrée, comme tu dis, en fait, ils en font leur version. En fait, si tu veux, ce n'est pas une version où ils comprennent forcément tout au pied de la lettre, tu vois. Genre, ils font Ouais, leur j'ai propre jamais dit qu'ils interprétation. comprenaient tout au pied de la Non, lettre, non, non, juste qu'ils je sais. l'utilisaient. Non, mais je sais. Je disais ça en fait dans le sens que, bah, après, il faut nuancer le propos dans le sens qu'il faut pas partir sur le truc comme quoi il y avait l'agenda derrière et tout le bordel, et que les mecs connaissaient impérativement leur sujet de base pour modifier l'autre sujet en question, tu vois. C'est un peu plus nuancé que ça, ce que je disais. Je refutais pas ton argument, par exemple, en bloc. Je disais juste que moi, je prends en compte, en tout cas, ce phénomène-là. Ciao Gadgat, À merci d'être plus. venu. Merci, Gaga. Tchou-tchous. Ça fait plaisir. Comme d'hab. Bon, du coup, ça me donne pas du tout. Bon, là, après, on fait un nécromancien, donc oui, fatalement, ça va taper dans le cliché, du coup, vu qu'on se base un peu sur la. Mais on va essayer de se rattraper sur autre chose avec les vaudous. Hein, on va faire, par exemple, dans les chamans. On peut faire des chamans vaudous. Enfin, avec une inspiration vaudou. Du coup, on se rattrapera Bah, là-dessus. après, c'est cliché, mais Malheureusement, quand tu fais c'est les jeux. quel vaudou qui avait justement inscrit la culture du zombie, qui est la source des zombies justement, parce qu'en fait, ils avaient un mélange d'herbes qui te faisait tellement planer que en fait, t'avais l'impression d'être mort. Enfin, t'avais l'impression qu'ils ramenaient des morts à la vie. C'est comme ça qu'on a Oui. inventé le mythe du zombie, mais c'était des vaudous qui étaient à la racine. Alors, Oui, je c'est sais ça. plus de quelle culture derrière, mais. Alors, en vrai, on va pas lui donner de nom parce que j'ai l'impression qu'on se Tant pis, hein, plantera. il n'a pas de nom, en fait. Bah, pour le moment, non, on va pas lui mettre de nom, écoute, hein, elle nous emmerde assez comme ça. Et puis, j'ai pas envie de faire une faute impardonnable sur le nom. J'ai envie de donner un truc qui colle pas du tout à l'idée du perso, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, que ça soit un peu plus respectueux, on va dire, du matériel d'origine. Donc, non. Alors, on va mettre Femme Wakasi, Inspiration Vaudou. Hop. Comme ça, on saura. Puis du coup, je ferai mes devoirs hein, sur le vaudou, enfin sur la culture vaudou, la vraie. Mais je pense que ça va être encore un truc où, genre, t'as plein de. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir C'est aussi. toujours pareil, il n'y a pas de vraie culture vaudou, il y a 50 branches différentes Non, avec mais quand chaque je dis peuple qui vraie a son dérivé culture et tout vaudou, ça. c'est-à-dire celle qui est documentée, expliquée par des scientifiques, si tu veux, historiques, voire sociologiques, c'est pas. Parce qu'en fait, le gros problème en histoire, c'est que quand tu n'es pas quelqu'un, par exemple, qui se renseigne sur un sujet pointu, en particulier sur une civilisation ou sur une pratique ou sur quoi que ce soit, le problème, c'est que
Bon, on est dans un pays qui est stylé, enfin, on est dans un monde qui est devenu stylé, où en gros tout le monde peut sortir un livre, donc ce fait qu'on a des milliards de merdes qui sortent chaque jour. Mais à cause de ça, t'as pas mal de mecs qui ne sont absolument pas scientifiques en sciences sociales. Et quand je dis sciences sociales, en gros, c'est ce qui est histoire, sociologie, enfin bref, tout ça, quoi. Donc c'est pas péjoratif, normalement, sciences sociales, il faut arrêter. Non, mais je le dis parce que souvent on lâche ce terme comme si c'était voilà, une insulte incroyable. Donc non, c'est pas une insulte. Je sais pas où c'est une insulte, mais Non, mais écoute, laisse ça tomber. doit être intéressant à voir. Non, mais c'est qui? Parce qu'en fait, si tu veux, il y en a qui font le rapprochement avec, tu sais, la mouvance JW, tout ça, en fait. Et en gros, comme c'est vu qu'ils ont appelé ça les sciences sociales, tu vois, qu'ils veulent essayer de impérativement d'en faire une matière sciences sociales. Du coup, voilà, les mecs ils font par association, tu vois, comme d'habitude, les gens font ça, ils associent un truc à un autre truc, et du coup, tout le truc devient pourri, ce qui est con, excessivement con. Mais enfin bon, bref, ça c'est un autre truc. Et moi, je préférais, si tu veux, me renseigner sur un historien ou une historienne qui aurait écrit sur la question en termes corrects, en gros, avec des sources. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont absolument pas sociologues ou historiens ou quoi que ce soit, qui écrivent des trucs sur la question. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, du coup, ce que moi j'appelais avec les autres. Étudiants et professeurs historiens que j'avais en tout cas dans ma fac, des gens qui écrivent sur leurs fantasmes, c'est-à-dire ce qu'ils aimeraient voir en fait. Ouais, Voilà, donc ce qu'il voudrait que ce soit, quoi. du coup, c'est en fait déjà d'une, c'est chargé d'un truc qu'il faut absolument pas faire dans les sciences sociales, c'est-à-dire chargé d'un jugement de valeur. Donc ce qui est cool, ce qui est pas cool, ce qui est gentil, ce qui est méchant, parce que en fait non, en fait tu constates les faits, tu essaies de rapporter les faits. Tu essayes d'analyser l'histoire en disant, par exemple, ou la chose en disant, écoutez, ils ont agi comme ça parce que dans leur culture c'est comme ci, comme ci, comme ça, parce qu'il y a ce jugement-là qui se fait. En gros, essayer d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est pas parti dans un délire de, tu vois, ça c'est stylé, du coup ils pouvaient faire ça, 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 ça. Ouais, alors ça c'est toi qui le penses, gros. Mais quand tu délivres un sujet, n'écris pas ton fantasme, écris la réalité. Donc c'est pour ça qu'en gros il faut faire excessivement attention quand on s'intéresse aux sciences sociales, c'est que il faut surtout se renseigner sur qui l'écrit. En gros c'est comme pour les documents de texte, hein. C'est savoir pour qui il écrit et pour qui. Enfin qui l'écrit et pour qui il écrit déjà. Déjà de base déjà tu vois à peu près avec qui tu as affaire. Et après il y a aussi le truc que moi il me faut des sources. Donc, faut jamais croire un truc comme ça, en mode t'inquiète, je sais plus où j'ai lu ça, mais c'est vrai. Ça, c'est à bannir. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de source à l'appui, il n'y a pas de. Tu peux pas creuser un peu plus, parce que des fois, en fait, on utilise des sources, mais on utilise qu'une partie de l'analyse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention là-dessus. Bref, ça, c'était la parenthèse casse-couille de Nurse Lem. On peut passer à autre chose. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est quoi ses pouvoirs? Alors. Oh putain, déjà il y a un truc. J'ai envie de lui mettre ça. Alors ça par contre ça va être un spell super puissant. Hop. Alors, donc du coup, on a Vengeance d'Outre-Tombe, un spell excessivement puissant. Donc en gros, elle va ressusciter un héros ou un monstre d'ailleurs. Mais seulement s'il y a une place vacante, hein, dans la poule, tu sais, dans les quatre héros dans le donjon. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, elle ressuscite quoi? Elle ressuscite un héros ou un monstre pendant le combat là. Du coup, si elle ressuscite un monstre, il passe côté allié, quoi. Ouais, il passe côté allié. Sauf que le truc, c'est qu'il faut par exemple qu'il y ait au moins une place vacante, c'est-à-dire qu'il soit au moins 3.
tu vois, dans le groupe de donjons encore en vie, en train de se foutre sur la gueule, tu vois. C'est comme pour l'invocatrice avec son renard, tu vois. Et par contre, à la fin du combat, le machin, il tombe. Genre, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il reste pas. Oui, il reste pas. Comme l'invocation, au final. Oui, voilà, comme l'invocation. Et du coup, si t'as un héros qui est mort dans un combat précédent, tu peux le ressusciter ou uniquement s'il est mort pendant ce combat? Alors donc justement c'est là où c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que moi je pense qu'on peut faire que bah, du moment que c'est un héros qui est mort à n'importe quel moment de l'histoire, on va dire, c'est bon. Parce que sinon en fait c'est trop contextuel et en vrai ça nique un peu le pouvoir en question. Par contre si jamais c'est un monstre, on peut dire que ça doit être un des monstres qui est mort pendant le combat. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je... D'ailleurs, Du coup, t'aurais pas une stratégie qui va se former à base de bah en fait mon tank qui se fait niquer et c'est pas grave ce que je ressuscite à chaque combat. ouais, par contre, du coup, ils peuvent pas être équipés d'items, ils peuvent pas. Ah, ils perdent leur système. Oui, voilà, tu vois, c'est ça aussi le Ok. truc. Non, mais tu t'en fous, à chaque combat, il ressuscite. Ouais, mais Il est justement. intuable. Justement, le truc, c'est que on a encore des Peux le comme faire qu'une fois par combat, ça? ouais. C'est déjà ça. De quoi? C'est déjà ça. Oui. Déjà, vengeance de trotombe, ça c'est fait. J'ai mis à 3 hein, la capacité. Hein. En gros, c'est une puissante. Considérée comme puissante, vu ce que ça fait. Boule de donjon. Disparia, disparaît, merci. Alors, donc, deuxième capacité. En deuxième capacité, j'aimerais bien réutiliser en fait le principe même du nécromancien, c'est qu'en gros, ce sont des healers qui sont allés un peu trop loin dans le délire de soigner. En gros, ils voulaient vaincre la mort, quoi. Donc, est-ce qu'on peut pas lui donner aussi un petit spell de soin? Je me demande, ce serait pas dégueu. C'est un peu dark qui coule, mais nécrose enlevée. Du coup, on peut faire. On va faire un soin mono-cible, tiens. Ça peut être. Putain, elle va être pétée en vrai. Hop. Voilà. Et maintenant, sa capacité de guilde. En gros, son deuxième spell, c'est Nécrose enlevée. Enfin, attends. Nécrose. On va l'appeler plutôt suppression de Nécrose. Suppression de nécrose. Voilà. Donc en gros, son deuxième spell, c'est elle soigne 8 points de vie à une cible. Ça va être une. Pas mal, quand même. Ouais. Bon, après, c'est quand même moins que par exemple l'autre healeuse qu'on avait fait avant, Marguerite la Sainte. Ça faisait combien, elle? Elle faisait 10 son soin mono-cible. Donc voilà quoi.
tac, 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 tac. Maintenant, sa capacité de guild. J'aimerais juste le voir. Truc. Oh putain, non, attends, j'ai un truc, mec. La videuse de tombe. En gros, ce qui se passe, c'est que tu te souviens là, le truc comme quoi on peut de temps en temps ressusciter un héros, tu vois, son héros favori ou quoi que ce soit, tu vois. Tu te souviens de ça? En gros, elle va avoir une capacité de guild qu'elle peut utiliser. En gros, elle peut le faire que sur un cadavre seulement de héros. Donc tant qu'elle en a enlevé un, en fait, elle peut pas le refaire. En gros, elle choisit un des héros qui sont tombés au combat. Et elle le retire en fait des ressuscitables, quoi. Et elle peut en choisir qu'un seul. Elle peut changer les héros qu'elle veut garder. Mais en gros, voilà, il peut pas être ressuscité. Quel qu'il soit. Mais il faut qu'elle soit dans la guilde. Il faut qu'elle soit dans la guilde. Oui, c'est son spell de guilde. Mais du coup, le mec, il reste en vie tout le temps, quoi. Non, non, ce héros-là, il peut pas être ressuscité. Ah, le... En gros, elle choisit un Elle le des. condamne, quoi. Ouais, le condamne à pas pouvoir être ressuscité. Et en fait, elle peut changer ça. Par contre, si jamais elle change du héros qu'elle veut pas voir ressusciter par X manière, Ouais. elle est obligée de le relâcher. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il redevient ressuscitable. T'es pas chaud? C'est un nécro qui contre les nécros, quoi. Alors, c'est plus un nécromancien qui empêche que tu puisses ressusciter une cible, par exemple un héros hyper useful que ton adversaire était en train d'essayer de voir s'il pouvait pas choper une résurrection par l'intermédiaire d'un héros ou par l'intermédiaire de. Tu vois? Parce que ça bloque aussi tout ce qui est événement de résurrection, quoi. Ouais, voilà. Ou sinon, on peut lui donner un autre truc qui s'appelle réanimation, où en gros, elle choisit un héros qui est tombé au combat, allié, et elle le ressuscite. Mais elle peut le faire qu'une seule fois. Partie. Ouais. Parce qu'il faut quand même que la résurrection soit un peu rare, tu vois. Qu'il faut pas trop non plus compter dessus, si tu veux, dans l'idée. Ouais. On fait ça? Comme tu le sens. Allez, on fait ça. Alors, choisissez un héros mort allié. En vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas le mettre directement. Choisissez un héros mort, tout simplement. C'est-à-dire que qu'il soit allié ou pas, en fait. Ouais, ça permet de voler les héros de Ouais, voilà. l'adverse. Très puissant. Donc réanimation, on va lui mettre un petit 1. Donc choisissez un héros mort et ressuscitez-le en l'ajoutant dans vos héros en guilde. Donc en gros, il part de la guilde si jamais il doit rejoindre le groupe. Si jamais tu veux le faire rejoindre, quoi. Pété! Bonjour, je suis une nécromancienne pétée. Hop. Tac. Bon. On va créer un autre héros. Haha. C'est pas mal ça de créer un autre héros. Donc. Alors, on n'a pas fait. D'héros qu'on n'a pas fait.
On n'a pas fait les mages arcaniques. On n'a pas fait de chaman. Donc est-ce qu'on se fait un truc de style Toi, tu préférerais quoi, toi? Est-ce que tu as une préférence? Pas du tout. Yes. Donc du coup. On va faire un demi-elfe. Et on va en faire. Ah mais attends, mais demi-elfes, on n'a pas arrêté de les mettre en espèce de mage ou j'ai pas envie de faire un rôdeur là, j'ai envie de laisser encore un peu cliché un peu loin. On va lui faire faire autre chose à lui. On en fait un guerrier à la con. Hein? On en profite. Ah mais non, mais attends, je sais qui on peut faire. Mais quel enfer, mais quel débile. Le prêtre de Martialus. Hop. Parce que la guerre. Du coup, lui, ça va être un buffer. Mais un gros buffer. Template d'équilibrage. Hop. Hop. Alors 2 secondes, je reviens, j'ai un petit truc bio à faire. J'arrive. C'est l'heureux. Heureux. Donc on est à 1h20 de live déjà. D'accord. Alors, On a taki, commencé taki, tard. taki. De quoi? On a commencé tard au final. Bon allez, tu sais quoi, on va l'appeler Guillaume. Oui, parce que Guillaume le Conquérant, on s'en fout. Allez hop. Alors. Guillaume, héros de Martialus. Héros, pas héros H-E, enfin H-E-R-O-S. Héros.
Alors, donc déjà, lui, c'est un prêtre. Bon, voilà. Bonjour, je suis en armure lourde. Donc, déjà, lui, instant, il a 30 PV. En flat. C'est-à-dire qu'en gros, après, on va voir avec l'équilibrage par la suite. En attaque, on reste quand même pas mal sur un 1-3. Ça fait 4. Il a 3 avec son arme. Avec son marteau, là. Donc on est à 7. Donc en fait, il a 7 d'attaque et 32 PV. Mais après, son but, ça va pas être un tank. Donc du coup, on va voir après ce qu'on va lui mettre en se pelleux. Mais en tout cas, je sens qu'on va booster ses attaques au détriment de ses PV. Mais en même temps, ça va être un gros buff fer. Donc. Donc, appel aux armes. Hop, j'ai écrit en flat, après je te dis ce que j'ai mis, tu me dis ce que t'en penses. Hop. Alors, du coup, son premier spell c'est charger. Votre groupe bénéficie d'un bonus de plus 5 à leurs dégâts. Enlevez le bonus de mur de bouclier. Mur de bouclier, son deuxième spell, c'est votre groupe bénéficie d'un bonus de plus 5 à leur PV. Enlevez le bonus de charger. De quoi? En gros, il a deux spells. Si jamais tu utilises. En fait, c'est un spell qui reste, en fait. C'est un buff pour le groupe. Soit t'as un buff qui booste leur PV, soit t'as l'autre buff qui booste leur attaque. Sauf que tu peux pas avoir les deux en même temps. Donc en gros, si jamais t'en mets un, faut que t'enlèves l'autre. S'il est présent. En gros, c'est à toi de choisir pendant son truc. Mais du coup, tu peux quand même changer plusieurs fois Oui. dans le même combat. Ouais, voilà, c'est ça. T'as combien d'usages de chaque spell? Illimité. Ah, il y a des spells qui sont illimités. Oui. Bah, à part si jamais on précise qu'ils peuvent l'utiliser qu'une fois ou deux fois, normalement ils sont Oh, je censés sais être pas, illimités. j'ai vu que des spells comme ça, je crois. Non, c'est qu'il y en a pas mal parce que en gros il y avait des gens avec des spells monstrueux, mais en vrai il y en a beaucoup où c'est pas délimité, hein. Alors après, il y a aussi ceux qui ont des spells à condition, c'est-à-dire que par exemple les invocateurs, là, quand ils ont une place vacante dans le groupe. Mais sinon,
Non, plus de la moitié, mec, ils ont pas de spell limité. Hein. Ah bon. Oui. Par exemple, là, tu il a pas de spell limité. Hein? Je sais même plus ce qu'il y a. Non, je te dis, en spell limité, t'en as un, deux. Ouais, t'en as 5 qui ont des spells limités. Donc c'est pour ça. Du coup, son bonus de guilde. Son bonus de guilde. Bon, d'ailleurs, il faut que je reprenne 2 secondes de GDD. Est-ce qu'il y a un truc? Je me pose une question. Tac. Alors. Tu fais l'effet de la carte d'amélioration. Équiper un héros avec une carte équipement. Voilà, c'est bien ça. Paf. Donc ça, c'est bueno. Alors, en fait, en gros, son spell de guide, dans l'idée, c'est que tu te souviens, en fait, la place des héros que tu mets sur ton bord, là, actifs, ceux qui sont dans le donjon, ça définit aussi leur tour de jeu. On est d'accord? J'ai envie de faire un spell stratège où, en gros, tu peux en avoir rien à foutre. Mais par contre, ils jouent tous seulement une seule fois par tour, tu vois, comme d'habitude. C'est juste qu'en gros, bah, tu peux en invoquer un en premier. En gros, il y en a un qui peut jouer avant les autres. Si jamais, par exemple, je sais pas, t'as tout le monde qui est en train de s'en prendre plein la gueule, et que tu sais qu'au prochain tour, si jamais c'est pas la healeuse qui agit en premier, c'est-à-dire qui soigne, bah du coup tu vas perdre des héros. Mais vu que tu as Guillaume dans ta guilde, avec ça, en gros, tu peux faire en sorte qu'en gros elle joue avant le tank, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, en gros, j'aimerais bien qu'il fasse. Donc, vous pouvez choisir. Désiré. Hop là, boum, tactique. Donc, du coup, on va en lui enlever 3 PV, ce qui va faire qu'il a 26 pour le foutre en attaque. Voilà, donc du coup en gros il a PV 10, non attaque 10 pardon, et PV 25. Et après il a les spells qu'on a vus. En gros c'est ça l'idée. Voilà mon cher Guillaume.
Donc voilà, donc ça c'est fait. Bon, maintenant du coup. Bam, bam. Toi, du coup, t'en es où? Ah, je réfléchis à comment faire un système d'UI qui marche. Un système de quoi, pardon? Excuse-moi, j'ai pas entendu. D'UI. Ok. Faire un héros en vrai. C'est hop. Donc du coup. Bon, du coup on a fait un guerrier. Voilà, hein. On va faire autre chose. Pardon pour la vapote, putain, faut vraiment que j'arrête. Du coup, attends, on a fait deux Wakasi, on a fait deux humains. En vrai, ce serait pas mal qu'on fasse un autre Pendragon. Donc, attends. Pif, paf, 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 mage. Ah, les mages élémentaires, en fait. Dans les repoules, il me manque quoi? Oh, allez! Un petit Pendragon de foudre. Oh, ça peut être stylé ça en vrai. Allez hop. Allez, on fait une madame. On fait une madame. Donc foudre. Il y a un truc comme ça peut être sympa. Hop, voilà, bon. Pim, 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 pim. Tiens, c'est quoi cette nouvelle? C'est nouveau ça? Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas avant. Comme tenue, stylé. C'est pas ça qu'on veut. Oh, j'ai presque envie de lui donner un petit côté moine. Ouais, ça peut être sympa en vrai. Attends, déjà, on va lui donner une tail. D'ailleurs, je sais pas si t'avais vu sur le Discord, t'as Monolith qui avait fait un espèce de Space Marine avec le système d'Aeroforge. C'était Ouais, marrant. ça marche bien. Ouais. Enfin, moi j'ai reconnu. Enfin, j'espère que c'est ça, parce que ça se trouve, en fait, il va me dire, mais non, c'était pas un Space Marine. Ça Je ressemble. sais plus, le fichier s'appelait Marine, je crois, donc. Ouais, donc voilà, donc du coup, pas de doute.
Les couleurs, c'est pas ça, mais bon, l'idée. Pour l'instant, on va déjà lui donner un petit outfit. Putain, le kilt. Ça reste un peu mieux. Bon, on va lui donner quand même un petit aspect moine. Peut-être pas mal, hein. Yes. 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 Les gear. Super. D'ailleurs, c'est très drôle, mais à chaque fois que les gens faisaient des mages éclairs là, ils faisaient toujours des espèces de comment on appelle des wakazi, genre les hommes piaf avec en fait éclair. C'était toujours ça qu'ils prenaient. C'est un truc assez marrant. C'est ce qui revenait le plus souvent en fait. C'était ça. Du coup, c'était rigolo. Putain, non, mais ça, c'est ça. Oh, putain, mais quel enfer. Lui mettre une grosse clope au bec, tu sais.
Méprise ça, d'accord. Il y a aussi le mode cadavre. Trop marrant. Le mot cadavre. Ouais, genre en gros, la figurine se met en Quand il est mode. mort. Hein? Quand il est mort. Ouais, regarde. C'est marrant. Ah, quoique, attends. Ça peut être... Hop. Thank you.
En fait, la queue est tellement modulable, c'est un truc de ouf. De ouf. Bref, hair. Attends, attends, on peut lui donner des cheveux? J'ai pas vu ça. Ah oui, putain, merde. Ah oui, tiens, c'est vrai. Quand même. Allez hop. Ah, attends, on peut lui faire un amas de cornes. Oh la vache. Un amas de cornes. Attends. En gros, on peut lui mettre je sais pas combien de cornes en fait sur la gueule. Utilise le stylet. Ok, très bien. Peut lui mettre des. Ah oui, on peut carrément lui mettre ça. Ouais. D'accord, très bien. Eyes. Hop, ouais, on va lui mettre ça. Ah, ça y est, l'orage. Ouais, il arrive chez toi. Ouais, il pleut là. Toujours rien. Bah on écoute. attendra quelques heures, je pense. Ouais, c'est ça. Pardon, et mince. Mais là, j'arrête pas de. Vraiment que je perde cette habitude. Hors slam. T'as un peu un sac à merde, normal. Carrément. Je sais pas. Bon, on va pas lui donner une barbe. Et pas des animaux. Color. On y va. Hop là. Dans la culture asiatique, là je me pose une colle de ouf. Ils ont quelle couleur généralement les dragons?
Ça dépend pas du type de dragon. Si, justement. Bah, attends. Soit c'est hyper jaune, soit c'est hyper bleu. Rouge aussi. Oh putain, il parle de Power Rangers, s'il te plaît. Merde, à la fin, les gars. Dans Naruto et tout ça, dans la culture japonaise. Attends, dans la culture japonaise, les seules choses qu'ils peuvent me dire pour les dragons, c'est sur Wikipé merde. Hein. Le Kirin est bien connu de la culture japonaise où il porte parfois le nom de. Et là, tu vois, du coup, il donne des kanji, c'est cool. Et puis là, d'un coup, c'est pas ce qui se passe. Dans la série Super Sentai Gozei Sentai Darengar. Le Kirin est l'animal totem du Ranger jaune qui se nomme Kirin Ranger. Après le dieu des Pokémon Arceus dans la série de jeux vidéo de rôle Golden Sun, Naruto, Satan 666, Monster Hunter, Final Fantasy 14. T'es là en mode, bon les gars. Et dans la série My Little Pony, évidemment, tu vois, y a rien d'autre à dire évidemment sur les dragons asiatiques. Arisimam, quoi? Je vois pas ce qui te fait dire ça. C'est incroyable! Alors, au début, ça partait bien, et puis d'un coup, dans la culture japonaise, donc on parle bien de la culture japonaise, et ils te sortent tous les trucs. Non, bref, c'est. Bah, c'est ça, en fait, des fois, qui me sidère avec Wikipédia. Bon, alors, on va voir les Raiju. C'est quoi leur couleur? Merci. De lumière ou de feu. Composé de lumière ou de feu. L'air perplexe. Ouais, c'est plus bleu en vrai, qu'ils disent. Bon, ça va. Ici Inuyasha, donc ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de référence à ce manga. Que j'adorais d'ailleurs quand j'étais gosse. D'ailleurs que j'ai revu dans son intégralité avec mon ex. C'était bien sympa. On connaît le plan. Ah, Inuyasha, franchement. Sympa. Vraiment, vraiment sympa. Bon, écoute, on va partir sur ça, parce qu'après on part sur des sites obscurs, de type ce qu'on aimerait bien voir, Fantasmagorique, LOL, MDR, tu vois, on va éviter. Bon, du coup ce serait plus bleu. Bah allons-y sur le post-blanc. Alors, avez-vous, donc déjà les cornes, Avez-vous déjà vu? avez-vous déjà vu? Dragon japonais chevauchant une chèvre. Attends, je crois que c'est un vrai truc en plus là ce que t'as dit. Non, non, ça doit pas être un épisode avez-vous déjà vu. Mais ça a un potentiel avez-vous déjà vu. Mais bien sûr. Incroyable.
Reptile. Si je lui dis blanc, ils vont être là en mode genre. Ah, ils ont quand même mis de l'aquatique. Hein. Ah voilà, bon, ça déjà. Ça fait un peu violet, mais ça peut le faire. Ça me plaît pas. Hop. Ah non. Hop. Ah, il pleut bien, hein. Ouh, la vache. Petit rouge, en fait. Ah,
Hop. C'est vrai qu'on n'a pas parlé là depuis là. Ça va? C'est pas très grave, moi je pense. Hein. Ouais, bof. Vu qu'il y a un peu d'animation quand même. Attends, ouais, dans le clothing, vite fait pour voir s'il n'y a pas un truc à Si on proposer. fait que parler, on se concentre pas. Donc. Ouais, bon, c'est pas faux, faux, mais. Ouais, c'est bien confond, donc. Rap. Rap. Ouais, mais là, il y a un Ibar à l'air, donc non. C'est pas qu'on cherche. Comment me comfortable to be one with robots. Okay. Ah, c'est meilleur. Pas de jamas. Oh putain, là, je savais. En vrai, je crois que le bleu ça va pas. Je vais faire autre chose en fait, comme couleur. On partait un peu plus sur du reptile en mode gold. Ça fait un peu trop de désert en vrai, ça fait un peu plus feu. Ah, ça m'énerve. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais tiens. Lightning. Plastoc, non, pas du plastoc. Non.
Ça, c'est déjà mieux. Hop là, boum. C'est dommage qu'on puisse pas modifier les yep. Je l'aurais un peu plus incliné, moi. Hop. Voilà. On va dire que c'est OK. Hop. Paint. Hop là, boum. Putain, faut vraiment que je prenne des cours de collimétrie. Ça me. Je suis Ça te vraiment. hante. Ouais, ça me hante de ouf. Ça me hante de ouf. Voilà, bon. Là, il est 2 heures passées de live. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ouais, exact. Donc, du coup, toi, t'es avancé sur quoi là Sur l'UI, je suis toujours en train de faire les bases de l'UI. D'accord. Bah écoute, très bien. Bien, on peut s'arrêter là? Hein? Ça fait 2 heures de live ouais, quand même. Ouais, tu t'arrêtes là, hein. Ça semble pas mal. Comme ça. Donc, du coup, demain, il y a stream ou pas? Je me souviens plus. Qu'est-ce que t'avais. Demain, non, je pense pas. D'accord. Donc, bon.
Du coup, la prochaine fois, ce sera mercredi, c'est ça? Samedi, non? Samedi? Parce que du coup, samedi, tu peux? Bah, faudrait que je me barre dans l'après-midi, mais on peut le faire à 14 jusqu'à 16h, je pense. On voit Ok. si le truc commence à 7h ou pas. D'accord, très bien. Bah écoute, du coup, on peut dire samedi. En début d'après-midi, puis voilà quoi. Yes. Voilà, bah écoute. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis. C'était sympa. Nous, on va aller bah, bouffer, faire nos petits trucs. Et du coup, Carrément. on vous dit du coup à la prochaine. En espérant vous revoir la prochaine fois. Et bah voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Bah écoutez, gros bisous. On vous dit Bonne soirée. et bonne soirée. Tchou tchou!